Amis viewers, bonjour et bienvenue sur la chaîne Derrière Votre Volant. Aujourd'hui, une vidéo plutôt atypique que l'on n'avait encore jamais faite, une présentation d'une voiture. Et on commence pas petit, on commence justement avec une Ferrari. On a la chance d'avoir justement Olivier Boidon Automobile qui nous accueille dans son garage aujourd'hui pour cette magnifique Ferrari, la 612. Allez, c'est parti, on va faire une explication déjà rapide de ce modèle. Nous sommes donc sur le modèle 612 Scaglietti. Alors pourquoi 612 Scaglietti? Eh bien le 6 c'est tout simplement pour son moteur 5,7 litres et le 12 pour justement son moteur V12. On a ensuite Scaglietti qui est effectivement le designer et carrossier en fait justement du modèle. C'est d'ailleurs par rapport à ça qu'ils l'ont créé et qu'ils l'ont appelé ainsi. Nous sommes sur un modèle atypique, d'ailleurs pour votre information, c'est un véhicule ici qui est de 2005. Mais on le voit, on a quand même des courbes qui sont vraiment très belles, même on le voit effectivement à l'avant, qui restent des courbes très élégantes et aussi très sexy. On est sur un modèle sportif, bien évidemment, on est sur une Ferrari, mais par contre, il faut savoir que c'est quand même un modèle plutôt routier, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du sportif, on ne va pas utiliser ce modèle-là, par exemple, pour faire du circuit. On va voir même un moteur atypique, parce qu'on est sur un moteur atypique qui est à l'avant, ce qui vous permet déjà une chose, alors pourquoi? C'est parce que c'est un moteur qui est beaucoup plus gros, hein, sur le V12 justement, mais ça vous permet effectivement d'avoir à l'arrière 4 places, enfin au total d'avoir 4 places en tout cas dans le véhicule, c'est aussi ça qui fait cette partie-là. Sous ce magnifique capot, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, ce moteur du coup 12 cylindres en 5748 cm3, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir 540 chevaux et il a été enregistré à 320 km par heure en vitesse de pointe. On le ressent de toute façon ce côté artisanal quand on est à l'intérieur de cette magnifique Ferrari 612. On le ressent parce qu'on est sur une voiture qui est extrêmement confortable, aussi bien pour des grandes personnes comme moi qui font 1m85. Je le ressens, c'est-à-dire qu'on se sent bien, on est assez à l'aise justement dans ce véhicule-là. On retrouve par contre une partie qui est beaucoup plus petite à l'arrière, mais par contre avec un très grand coffre et surtout les 4 petits feux ici qui sont effectivement la signature de chez Ferrari que l'on retrouve sur quasiment tous leurs modèles. L'une des plus grandes innovations sur ce modèle-là, c'est essentiellement aussi son châssis. On va donc trouver de l'aluminium extrudé, mais aussi des feuilles d'aluminium qui va recouvrir, ce qui vous permet d'avoir quand même, malgré tout, un véhicule qui reste quand même assez léger.